my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Glory, glory, glory be to God. To Jesus be the glory forever and ever. Merci pour tous nos partenaires. Nous continuons, nous ne cessons de vous remercier. Que la grâce vous soit accordée et que le Seigneur étende sa main glorieuse sur vous et qu'il accomplisse des exploits avec vous et ainsi que dans vos ministères. Merci beaucoup. Merci aussi pour ma tendre épouse qui n'est pas avec moi. Que la grâce te soit accordée. My baby, my chocolate. I love you en passant parce que je suis sûr que tu vas suivre cette émission. Merci, merci beaucoup. Holy Spirit. Oh, notre précieux enseignant, merci, parce que nous croyons que tu es Dieu, tu es divin, que c'est toi qui as été envoyé, commissionné par le conseil pour que tu prennes les choses en main. Nous sommes dans ta dispensation, Holy Spirit. Oui, opère selon ton bon plaisir. Utilise-moi comme un vase, comme un instrument, mes cordes vocales, mon cœur, mes pensées, ma langue, tout ce qui est en moi. Se soumettre à toi, au Saint-Esprit. Donne-moi une fraîche mémoire pour que je me souvienne, Holy Spirit, de tous les versets et de tout ce que toi tu veux réellement transmettre à ton peuple. Merci parce que tu es souverain. Blessed be your precious name. In Jesus' name, Lord, I pray. Et nous disons tous Amen and Amen. Oh, à lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Donc, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Quand et comment les ivrés sont-ils entrés ?»« Quand et comment les ivrés sont-elles entrés ?» Merci. Donc, nous allons essayer ensemble de parcourir les Écritures, notre parabole, et puis répondre à toutes ces questions et par rapport à ce que les instruments utilisés par le Seigneur nous ont donné comme information pour nous prévenir, nous mettre vraiment sous nos gardes. Comme je ne cesse de le dire, les jours sont mauvais et c'est cette parabole vraiment nous aide hein, à nous ressaisir et à avoir les discernements. Very important. God Almighty. Donc, dans cette parabole, tout ce que nous avions vu, et nous voyons, la Bible nous a donné déjà quelques informations. Par exemple, d'où viennent-elles? D'où viennent ces ivrés? Dans notre lecture, la Bible, Jésus-Christ lui-même a répondu, Jésus-Christ lui-même a essayé d'expliciter cette parabole, vu son importance. Donc, déjà dans Matthieu, chapitre 13, le Seigneur nous donne l'information nécessaire d'où sont-elles venues, c'est-à-dire les ivrées. Il dit dans Matthieu chapitre 13, verset 5, il dit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. » Son ennemi vient, sema l'ivraie pendant que les gens dormaient. You understand? C'est-à-dire que c'est l'ennemi qui a semé, livré, c'est-à-dire livré, vient
absolument de lui, vient du diable. Ce sont des pions, ce sont des éléments que les diables viennent s'aimer dans une assemblée, dans une vie, juste pour accomplir une œuvre de destruction. Parce que Jean 10:10 nous révèle ses différentes intentions caractéristiques. Il vient pour dérober, détruire et égorger. Donc, les ivrogne portent cette semence, portent ces virus, portent ces poisons. Quand ils s'infiltrent, c'est vraiment pour amener la destruction complète et totale. Do you understand what I'm saying? Ça, c'est dans les d'où viennent-elles. Mais aujourd'hui, on parle quand et comment sont-elles entrées. Quand et comment sont-elles entrées? Et dans les versets que nous avions liés, la Bible nous éclaire, nous donne la réponse, nous donne la précision. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. C'est-à-dire que c'est un travail qui s'est accompli la nuit. Parce que les gens dorment la nuit. Or, la nuit, dans la parole de Dieu, est associé avec les ténèbres, avec l'obscurité. Or, le diable est appelé prince des ténèbres. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, le diable est censé être considéré comme celui qui opère la nuit, qui opère dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que ses œuvres ainsi que ses pions sont gênantes. Alors, c'est la raison pour laquelle le diable aime bien faire son œuvre la nuit. Pendant que les gens sont inconscients, pendant que les gens sont pris par le sommeil, mais en ce moment-là, lui, dans son camp, dans son royaume, il est en train d'organiser des grandes réunions. Il est en train de motiver alors ses pions, ses instruments, pour venir détruire l'entreprise du Seigneur, détruire le blé, détruire le serviteur de Dieu, détruire les enfants de Dieu, détruire tout ce qui bénéficie de l'affection de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Donc, les diables aiment bien travailler la nuit. Et la nuit, très souvent, dans la parole de Dieu, est associée au moment des problèmes, au moment des difficultés. Quiconque traverse par des épreuves, traverse par des moments difficiles, fait face à la diversité, fait face au combat, fait face à l'ennemi, aux situations compliquées, difficiles, et considéré comme une personne est en train donc de vivre et d'expérimenter la nuit, parce que le diable lui-même est considéré comme le prince des ténèbres. C'est lui qui amène en quelque sorte l'obscurité dans la vie d'un enfant de Dieu, dans une communauté de chrétiens. Do you understand what I'm saying to you? Jesus be the glory for ever and ever. Donc, le diable aime bien travailler la nuit. Je récapitule. Le diable aime bien travailler la nuit. God Almighty. Et la nuit est considérée comme un temps de sommeil. Et spirituellement, nous savons que le sommeil spirituel existe aussi. Hein? C'est-à-dire un chrétien qui vit et qui vient à l'église aussi, qui écoute aussi la parole de Dieu et qui chante parfois aussi à la chorale, qui a aussi des responsabilités à l'église, mais cependant spirituellement, son esprit est en train de dormir. You understand? Il n'est pas sensible à l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas. C'est juste la chair qui est présente. Mais son esprit n'est pas là. Son esprit n'est pas attaché. Son esprit n'est pas connecté. Son esprit n'est pas ouvert au Saint-Esprit pour qu'il reçoive la parole, qu'il reçoive la révélation. Do you understand what I'm saying to you? Et pendant ces moments de sommeil spirituel, pendant ces moments de distraction, et le diable aime bien plonger les enfants de Dieu ou les serviteurs même de Dieu dans ces profonds sommeils. Pourquoi? Pour que lui, il puisse accomplir son œuvre de destruction dans nos vies. Parce qu'il aime bien travailler la nuit. My God, do you understand what I'm saying to you? La nuit, c'est un moment difficile, c'est un moment compliqué, un moment parfois de grincement des dents, un moment de plaire, un moment de défis, un moment où les gens font des crampes d'estomac, un moment de désespoir pour certains.
C'est un moment chaotique, c'est un moment de difficulté. C'est pour cela que le psalmiste va nous dire dans Psaume chapitre 30, verset 5, vers la fin, la Bible dit ceci. Les soirs arrivent, les pleurs, et les matins, l'allégresse. Ça, c'est la version anglaise, française plutôt. Mais la version anglaise n'utilise pas les soirs, il dit the night. Hein? For weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ne vous en faites pas, je vais transmettre. Weeping may endure. C'est-à-dire, les soirs arrivent, le plaire, voilà. C'est comme ça s'est dit en français. For a night, les soirs arrivent de plaire, but joy come in the morning, mais les matins, l'allégresse. You understand? C'est-à-dire, le psalmiste ou la Bible essaie de nous faire savoir que la nuit, les soirs ou la nuit, en anglais, les soirs, c'est les ténèbres qui remplacent la lumière. Il dit que c'est un moment où, qui viennent. C'est un moment qui vient, les ténèbres viennent avec de plaire. C'est-à-dire, c'est un moment de preuve, c'est un moment douloureux, c'est un moment où le diable se déchaîne, le diable s'acharne, où le diable fait son œuvre, où il envoie ses traits enflammés, où il lance ses flèches pour faire du mal, pour torturer, pour briser, pour détruire les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu. Un moment de complications, de confusion, un moment chaotique. Hein? C'est pendant ce temps-là que l'ennemi opère, l'ennemi agit. Mais la Bible nous informe, la Bible nous met en garde, la Bible nous enseigne que nous ne puissions pas seulement nous contenter à la première partie qui parle de la nuit qui arrive, mais la dernière partie nous dit que le matin, l'allégresse, hein? Même si la nuit arrive, même si la nuit dure, même si la nuit nous abat, même si la nuit nous attriste, même si la nuit nous désoriente, mais le verset ne s'arrête pas là. Souviens-toi, l'enfant, toi qui es enfant de Dieu, que ton matin va arriver. Oh my God, je dis ton matin va arriver. Les ténèbres précèdent, mais la lumière va arriver. My God, you don't understand what I'm saying. Je parle à quelqu'un. Peut-être ton âme en ce moment est en train de passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Les choses se compliquent de plus en plus dans ta vie. Aucune lumière. La lumière est éteinte. Tout est noir dans ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie, les choses sont compliquées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le diable a réussi à semer des mauvaises choses, à semer des ivrées, à semer ces grains dans ta vie. La maladie, la pauvreté, la confusion, la stérilité, les célibats, pas mal, toutes les choses que Dieu n'a pas semées, des inattendus, des choses que nous n'espérons pas, des choses qui n'ont rien à voir avec la promesse que Dieu nous a donnée, les choses qui n'ont rien à voir avec notre identité, les choses qui n'ont rien à voir avec notre Seigneur, les choses qui ne sont pas associées à notre Seigneur, qui ne sont pas associés à notre royaume. Mais il s'avère que tu te réveilles le matin et tu vas à l'hôpital. Cependant, il y a on vous diagnostique et puis on vous donne les rapports. Il y a des inattendus, il y a des ivrés, des mauvaises choses qui se manifestent dans votre vie. Et vous êtes paralysé. C'est l'ennemi qui a fait ça. Et tu te poses des questions. Mais j'étais à l'église, j'étais à la veillée. Mais pourquoi ceci m'est arrivé? Mais pourquoi ceci est arrivé à mon mari? Pourquoi ceci? Alors que moi j'ai veillé, j'étais dans la prière. La Bible dit, les malins qu'il a semés pendant que ton mari dormait, pendant que tes enfants dormaient, les malins est venu, il a semé des ivraies. My God, you don't understand what I'm saying to you. Mais j'aimerais que tu comprennes que oui, c'est pendant la nuit que le diable est venu faire son travail, son œuvre d'endommager ta vie, de saboter ta vie. Mais toi qui es dans le Seigneur, toi qui es en Jésus, j'aimerais te rassurer que la partie n'est pas encore finie. Le matin va arriver. Ah, j'ai dit c'est une promesse. Le matin va arriver. Que les ivrés ne nous fassent pas peur. My God,
J'ai dit que les ivrés ne nous fassent pas peur. Le diable les a semés avec un objectif. C'est pour amener la confusion. C'est pour nous détruire. C'est une herbe à couteau pour couper le meilleur de ce que Dieu veut nous donner. Pour couper la joie, couper la paix, couper le succès, couper la réussite. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Les ivrés sont là en mission. Do you understand what I'm saying to you? Mais j'aimerais que toi tu saches que peu importe en quel moment es-tu, il y a les ténèbres, il y a la nuit qui couvre ta vie. Oh my God, mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui garde Israël aussi ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, Jéhovah. La Bible dit lui, il ne sommeille ni ne dort. Vous vous imaginez, le diable a choisi faire son œuvre, accomplir l'œuvre de la destruction la nuit. Il croit qu'il pourrait être peut-être plus rusé, pas plus sage, parce qu'il ne serait jamais plus sage que Dieu. Plus rusé, qu'il a choisi la nuit pour opérer, pour agir, parce que la lumière n'est pas en lui. Mais notre Dieu a toujours un pas d'avance, comme j'aime le dire, par rapport à lui. Dieu est celui qui détecte ses intentions avant même qu'il ne les manifeste. Dieu sait. Il dit, ok, toi tu as choisi de travailler la nuit, mais tu dois savoir que moi, le Dieu de l'Alliance, il ne sommeille ni ne dort. Pendant que toi tu dors, mais ton Dieu, le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège, le Dieu à qui tu appartiens, et nous dans notre alliance même, nous n'avons plus cette alliance-là. C'est, quand on parle de Dieu, c'est Dieu avec un peuple. Mais nous aujourd'hui dans l'alliance, il est devenu même notre Père. Notre Père. Et celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire, il assure ta sécurité 24 heures sur 24. Il a son regard d'amour baissé, posé sur le blé, la bonne sémence, les fils du royaume. Nous sommes gardés, nous sommes protégés. Peu importe dans quel état, peu importe les situations, les circonstances, peu importe les ténèbres qui peuvent couvrir ta vie. Toi, tu vois les ténèbres, mais au-dessus des ténèbres, il y a quelque chose de plus. Oh my God, my God, my God, my God, to Jesus be the glory. Et non seulement celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, même Dieu lui-même a choisi de travailler la nuit. C'est dans la Bible. Le diable travaille la nuit, le prince des ténèbres. Oh my God, parce que ses œuvres sont gênantes. C'est pourquoi il ne peut travailler là où il y a la lumière. Mais Dieu est plus sage et plus intelligent. Dieu a dit, ok, tu n'es pas plus fort, tu n'es pas plus puissant que moi. Tu as choisi de travailler la nuit. Dieu aussi a choisi de travailler la nuit. Dès que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse, nous voyons chapitre 1, Dieu a travaillé. Il a travaillé pendant ces jours. Il s'est mis en action, il s'est mis à l'œuvre. Mais dans quelle atmosphère Dieu a-t-il travaillé? C'était au milieu de la nuit. C'était dans l'obscurité totale. Genèse chapitre 1, verset 10 nous dit, « La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il était là, les ténèbres couvraient à la surface de l'abîme, après, mais le Saint-Esprit était là. Les ténèbres ne pouvaient empêcher le Saint-Esprit de mouver, d'opérer, d'agir, de garder sa liberté. Le Saint-Esprit n'était pas intimidé, le Saint-Esprit n'était pas contrôlé par les ténèbres. Je parle à quelqu'un, peu importe les ténèbres qui peuvent couvrir ta vie, ton foyer, ton mariage, tes finances, ta santé, comment, dans quel état es-tu? Mais j'aimerais que te garantir que le Saint-Esprit, au milieu des ténèbres, il ne peut être intimidé, il ne peut être bousculé, il ne peut être écrasé, il ne peut être piétiné, il est souverain, il est au-dessus, il garde sa liberté, il garde le contrôle. Il contrôle la situation. Peu importe. Do you understand? Au milieu de la nuit,
Et la Bible dit, devant cette obscurité, les ténèbres, quand on parle de la nuit, ce n'est pas l'absence de la lumière. La terre était couverte de ténèbres. Ce n'est pas l'absence de la lumière. Do you understand? Parce que Dieu est lumière. La Bible dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. Le Saint-Esprit est lumière. C'est-à-dire, les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière que porte Dieu, que porte le Saint-Esprit. Mais les ténèbres ici représentent la nature carrément du diable. Sa nature. Il couvrait la surface de l'abîme. Les ténèbres, la nature du diable, couvrait la terre. Mais malgré ça, le Saint-Esprit y était. Oh my God. Ah, je parle à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, ne détournez pas tes yeux du Saint-Esprit. Tu dois savoir qu'il est là. Notre compagnon de tous les jours, notre guide divin, notre colonne de feu, notre colonne de nuée, c'est lui. Il est là. Il est venu pour te conduire à bon port, à destinée. Et il le fera. Il te fera parvenir. Aucun obstacle, aucune montagne n'empêchera le Saint-Esprit d'accomplir cette œuvre. Mais le travail qu'il accomplit, il le fait au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. C'est ce que les bonnes semences doivent savoir. C'est ce que les blés doivent savoir. Notre Dieu fait un travail, mais et ce travail, il le fait au milieu de la nuit, dans un lieu obscur. C'est-à-dire, quand l'obscurité couvre ta vie, c'est un signe, c'est un indice que c'est bon maintenant pour que Dieu puisse travailler parce qu'il aime travailler la nuit. Oh my God. Toi qui pleures parce que ton âme est couverte de ténèbres. Toi qui pleures parce que le problème couvre ta vie. Mais j'aimerais te dire que la nuit, c'est un bon signe pour Dieu. C'est un indice, oh, favorable pour que Dieu commence son œuvre dans ta vie. La Bible dit, c'est au milieu de ces ténèbres, oh, qui couvrait la surface de la terre, dans Genèse 1b. La terre était informe et vide. Le verbe qui est utilisé en hébreu, c'est aya. Aya veut dire aussi devenir. Le même mot qui est traduit par être. La terre était, c'est le même verbe qui est choisi aussi par, qui est traduit plutôt par devin. Donc, la terre était informe et vide. Non, mais la terre devait informe et vide parce qu'il n'y a pas de contradiction. Dieu est parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Au verset premier, on voit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était un monde qui n'avait pas connu les chaos parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a pas fait la terre. La terre est devenue. Dieu n'a pas fait la terre informe et vide. Non, verset 2, il nous montre que quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2 parce que plusieurs années se sont passées entre le verset 1 et le verset 2. Ce n'est pas que le verset c'est produit aujourd'hui et le verset de demain. Non. C'est ce que nous pensons parfois quand nous lisons la Bible. Mais il y a des années, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires. Mais quelque chose se produit entre les deux versets. Ici, ce qui s'est passé, c'était la guerre qui a eu lieu, la rébellion satanique. Et le diable qui devrait être chassé, Ézéchiel nous éclaire, Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Vous pouvez trouver cela où Ésaïe chapitre 14 verset 12 nous donne des informations sur ce qui se produit. Et puis Apocalypse chapitre 12 verset 7, vous allez voir, ça nous donne aussi des informations qu'il y a eu une guerre, il y a eu une guerre entre Satan et Michaël. Et Michaël et Satan ne fut pas le plus fort. Do you understand? Et il a été chassé, il a été précipité. Hein? Good God Almighty. Et c'est en ce moment-là que lorsqu'il a été précipité, le prince des ténèbres, quand il est descendu, et le diable, tellement que tout ce qu'il voyait, lui rappelait la gloire, lui rappelait la présence de Dieu. Et comme en lui, il avait déjà cette mauvaise semence, alors en descendant, il voulait maintenant endommager, il voulait maintenant détruire la création de Dieu. C'est là où les choses se sont détériorées, se sont gâtées. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel que c'est lui qui fut le premier qui habitait les jardins d'Eden. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11, vous allez trouver que Satan fut le premier qui a habité en Eden. Do you understand? Donc il a été chassé.
Donc Adam n'est pas le premier qui a habité Éden, parce que Éden représente aussi le lieu où réside la présence de Dieu. Parce que quand on parle d'Éden, là où a vécu Lucifer, Ézéchiel dit qu'il marchait sur les pierres étincelantes. C'est-à-dire c'est dans la gloire, c'est dans la présence du Seigneur, à cause de la position qu'il occupait et de la mission que Dieu lui avait confiée. Ça nécessitait qu'il soit vraiment créé d'une manière extraordinaire. Aucune autre créature ne lui ressemblait sur la terre. Il était façonné, habillé d'une manière extraordinaire à cause de la mission. Do you understand? Dieu est celui qui nous couvre de sa gloire à cause de la mission qu'il nous confie. Mais cette gloire, cet habillement ne peut pas nous pousser à nous entêter, à commencer à se considérer comme Dieu, à nous diviser, à faire des quêtes de personnalité. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu peut nous habiller d'une gloire particulière, d'un habit particulier, d'une onction particulière par rapport à la mission, par rapport à la responsabilité que Dieu nous confie pour la gloire de son nom, l'épanouissement de son royaume. Il va nous utiliser d'une manière extraordinaire, comme jamais personne n'a été utilisé sur la terre. Les yeux des gens, les yeux des nations peuvent se tourner vers toi. Les gens peuvent commencer à courir derrière toi, croyant que tu dégages cette force, tu dégages cette puissance par toi-même, par ton habileté. Mais c'est à toi de comprendre, de savoir que tu n'es qu'un vase, tu n'es qu'un instrument, que l'habit que tu portes ne vient pas de toi, mais cet habit vient de Dieu par rapport à la mission. Si tu te laisses emporter, si tu te laisses entêter, si tu t'entêtes, alors c'est là où tu finiras comme Lucifer. Do you understand what I'm saying to you? Les hommes de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez en ce moment, Dieu n'a encore rien fait avec toi. Des choses extraordinaires vont se produire avec toi et au travers de toi. Mais faites attention, quand Dieu va commencer à faire ces choses, souviens-toi que tu n'es qu'un vase, que tu n'es qu'un instrument. Ne cherche pas à élever ton trône au-dessus du trône de Dieu. Ne cherche pas à concurrencer, à rivaliser Dieu comme Lucifer voulait le faire. Il voulait élever aussi son trône au-dessus du trône de Dieu. Il voulait concurrencer. Il voulait maintenant avoir son indépendance. Do you understand what I'm saying to you too? Jesus be the glory forever and ever. Oh my God, my God, my God. La terre est devenue, la terre devint informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ce mot informe et vide, en hébreu, c'est tohi waboi. Tohi waboi. Informe et vide. Tohi waboi. Tohi, c'est, ça parle d'un lieu qui est désert. Un lieu qui est désert. Un lieu qui est dans l'isolation. Hein? Do you understand what I'm saying to you? Donc la terre a perdu complètement sa beauté, informe et vide. Et le vide parle de la destruction, parle de désorganisation, parle de la déconstruction. Hein? C'est-à-dire détruire toute la structure qui était posée. Do you understand what I'm saying to you? Toi, 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 waboi. C'est-à-dire lorsque les ténèbres descendent, c'est-à-dire les diable descend, ainsi que ses agents, lorsqu'ils descendent quelque part, lorsqu'ils viennent quelque part les ivrer, ils viennent pour amener les tohi waboi. Tohi waboi. Ils amènent la destruction, ils amènent la désorganisation, la désolation, la déconstruction, détruire la structure qui a été posée, l'harmonie qui existe, l'uniformité qui existe. Quand les ivrés viennent, ils viennent pour endommager, ils viennent pour détruire. Nous voyons ici leur maître, ce qu'il a fait lorsqu'il est descendu. La terre devint informe et vide. Mais au milieu de ce chaos, ça se traduit aussi par chaos. Il y avait un chaos total qui couvrait la terre. Et c'est ce que le diable veut faire aujourd'hui. Il veut que le chaos puisse couvrir l'église de Jésus-Christ. Mais il n'arrivera pas. Il ne parviendra pas, parce que Jésus a dit: je la bâtirai cette église et les portes de l'enfer ne seront prévaloir contre elle. My God, you don't understand what I'm saying to you. The victory is ours. I said the victory is ours. Relève ta tête, écoute tes épaules. My God, marche comme une bonne semence, comme un plus qu'un vainqueur, sachant que la victoire t'a été donnée. N'aie pas peur des ténèbres. Dieu a défié les ténèbres. Dieu s'éleva devant les ténèbres. Dieu a fait face aux ténèbres. Et la bonne semence a reçu le pouvoir, a reçu l'autorité de faire face aux ténèbres. Oh my God, au milieu de ces ténèbres, Dieu a commencé à
travailler. Hein, le diable travaille dans les ténèbres. Le diable règne dans les ténèbres. Le diable accomplit son œuvre dans les ténèbres. Ses œuvres gênantes, c'est dans les ténèbres. Dieu aussi travaille la nuit. My God, I'm talking to you. Ton Dieu, c'est lui qui travaille la nuit. Peu importe les ténèbres qui couvrent ta vie, mais Dieu travaille la nuit. Au milieu de la nuit, Dieu a commencé. Oh my God, a déclaré la parole, a libéré les missiles sol-sol. Le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu, il a commencé à balancer la parole. Que la lumière soit. Ça, ce sont les narrateurs qui ont utilisé normalement que la lumière soit. Mais en réalité, c'est que la lumière apparaît. Que la, pas la lumière, parce que Dieu lui-même est la lumière. Il est lumière. Ce n'est pas que la lumière n'y existait pas. Parce que là où il y a Dieu, il y a la lumière. La lumière. Le Saint-Esprit était là, la lumière était là. Mais c'est la terre qui était couverte. Mais il fallait maintenant que Dieu déclare pour que la lumière réapparaisse, pour que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse, normalement. Que la lumière soit, en d'autres mots, qu'il a donné l'ordre. Oh my God! Parce que lui, il est celui qui perce les ténèbres, il les change en lumière. Parce que lui, il est lumière. La lumière est en lui. Il a habité parmi vous, plein de grâce et de vérité. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et il a transformé. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres s'évaporèrent. My God, et la lumière à Paris. My God, je parle à quelqu'un. Que ton Dieu est celui qui ordonne à la lumière d'apparaître. Peu importe les degrés de ténèbres qui couvrent ta vie, qui couvrent ton foyer, qui couvrent ton mariage, qui couvrent tes enfants, qui couvrent ta famille, qui couvrent tes finances, qui couvrent ton ministère. Mais ton Dieu, je dis ton Dieu est le Très-Haut, sa parole est souveraine. Sa parole est l'autorité finale. Sa parole a l'autorité souveraine. Aucune force ne saura résister à la parole. Dieu a défié les ténèbres, il a changé en lumière. Et dans le livre d'Exode, également, chapitre 12, verset 12, lorsque Dieu se révèle pour accomplir son peuple, son œuvre au milieu de son peuple qui habitait l'Égypte, et l'Égypte qui est gouvernée par Pharaon, qui est un type de Satan, l'image de Satan, prince des ténèbres. C'est-à-dire, en quelque sorte, le peuple de Dieu vivait dans les ténèbres. Ils étaient couverts de ténèbres, ténèbres de la servitude, de l'esclavage. Ils subissaient ce peuple. Il était piétiné, il était écrasé, privé de sa liberté, privé de son adoration, privé de sa louange. Do you understand what I'm saying to you? Mais lorsque les dieux d'Israël ont choisi de se révéler à son peuple, il veut libérer son peuple. Mais c'était dans quelle atmosphère? Oh, Dieu va dire à Moïse, Exode chapitre 12, à Lakeïta. Écoutez ce que Dieu va dire à Moïse. Il va dire, cette nuit-là, je passerai dans les pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les peuples. Oh my God. Et au verset 9, il dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés. Au milieu de la nuit, en anglais on dit at midnight, c'est-à-dire à minuit. À minuit, le travail, l'œuvre a commencé à minuit, at midnight. My God, pourquoi minuit? Parce que minuit c'est un temps prophétique. Minuit c'est le temps de la séparation. Hein? Un jour laisse le passage à un autre. Hein? Lundi, il cède à mardi. We understand? Le 31 à minuit, le mois de janvier, il cède au mois de février. Do you understand? Au mois de décembre, le 30 décembre, à minuit, on sait que cette année va céder. C'est-à-dire, minuit, c'est un temps de séparation. My God, you don't understand what I'm saying to you. Lorsque les ténèbres couvrent ta vie, j'aimerais te dire que Dieu, de son côté, ton Père Céleste, lui, il s'apprête à te séparer avec ton problème, à te séparer avec ton ennemi, à te séparer avec les échecs, à te séparer avec les ivrés, à te séparer avec cette maladie, à te séparer avec cette situation, à te... Oh my God, j'ai dit, nous servons les dieux de la séparation. Il va séparer. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. S'il y a trois personnes à toi, dites-le, Dieu, excuse me, mon Dieu s'apprête à me séparer. Il s'apprête à me séparer, à me mettre à part, à me sanctifier. Il va éloigner tout ce qui
vie. Oh, ne glorifie pas son nom dans ma vie. Les ténèbres, Dieu veut me séparer avec le ténèbre. Parce que je suis un enfant de lumière. Do you understand? Il a dit à minuit, Dieu a commencé le travail à minuit. C'est à minuit que Dieu a commencé le travail de la délivrance en Égypte. À minuit. Il a dit, au milieu de la nuit, Dieu frappa. Je parle à quelqu'un. Ah, ses adversaires qui se lèvent, ces ténèbres qui couvrent ta vie, Dieu s'apprête à frapper. Ah, j'ai dit, Dieu s'apprête à frapper. Il frappa. Oh my God, you don't understand. Il est, je parle à quelqu'un. Ah, ne soyez pas intimidé à cause de ces ténèbres. Dieu travaille au milieu de la nuit. L'œuvre de la création, Dieu a travaillé au milieu de la nuit. Oh, dans un endroit obscur. Mais Dieu a libéré la parole. Les miracles se produisent. En chapitre 12, Exode, verset 12. En Dieu a travaillé quand il a commencé le travail à minuit. My God, I'm talking to somebody right now. To Jesus be the glory. Et dans Matthieu, chapitre 27, verset 45, on parle maintenant de l'œuvre de la récréation. Au Genèse, c'était l'œuvre de la création. Dieu commence sa création. Au Genèse, et dans le livre de Genèse plutôt, Dieu commence l'œuvre de la création. Et au milieu, au Exode 12, c'est l'œuvre de la rédemption. Hein? Et la rédemption, maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était un type. Mais maintenant, nous voyons l'œuvre de la rédemption, maintenant, accomplie par les véritables agneaux de Dieu. God, God, Matthieu, dans Matthieu, chapitre 27, verset 45. Hein? Dans quelles conditions? 24, 45. My God, oh j'aime bien la parole de Dieu, 27, 45, écoutez ce que la Bible nous dit, Jesus be the glory, 45, il dit, Matthieu 27, 45, oui, depuis, non c'est pas ça, mais je vais le trouver après, excusez-moi, Jésus dit, et la Bible dit, depuis les 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ah non, moi j'étais dans. Oui, c'est bon, mais j'étais dans. Ici. Matthieu 27, 45. Oui, c'est bon. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut quoi? Des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabkatani. Sabkatani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Good God Almighty. Les ténèbres avaient couvert la terre de 6h jusqu'à 9h. Hein? Donc ici, en Europe, c'est de 12h à 15h. Il y a eu les ténèbres. Pour quelle raison? Parce que Jésus va accomplir l'œuvre de la récréation. Or, la création a été précédée des ténèbres. Dieu travaille au milieu des ténèbres. Maintenant, Jésus est venu pour accomplir maintenant l'œuvre de la régénération. Parce qu'il y a eu la génération, il y a eu la dégénération. Maintenant, Jésus vient accomplir l'œuvre de la régénération. La régénération, donc, c'est la restauration. C'est pour nous amener dans la génération. Or, dans la génération, il a commencé, c'était les ténèbres qui couvraient. Alors, dans l'œuvre de la régénération également, les ténèbres doivent couvrir la terre, my God, parce que dans l'œuvre de la création, il y a toujours les ténèbres qui précèdent, my God, je parle à quelqu'un, les ténèbres couvrent ta vie, le diable croit que il t'a mis sous un boisseau, le diable croit que il t'a enfermé dans sa prison, mais en réalité il ne sait pas que quelque part il a créé l'atmosphère, hein, pour que celui qui ne peut être contrôlé, le Saint-Esprit, good God Almighty, fasse l'œuvre. Oh, de la récréation. My God, my God, my God. C'est dans cette ambiance de ténèbres que Jésus alors a accompli l'œuvre de la rédemption. My God, il a crié mon Dieu, dans la douleur, c'était dans la souffrance que Jésus est venu accomplir l'œuvre de la récréation. Donc j'aimerais parler à quelqu'un. Hein? Le diable croit que quand il fait noir dans ta vie, alors c'est une bonne occasion pour lui de t'abattre. Mais il ignore une autre facette, que notre
notre Père Céleste aussi a choisi la nuit pour travailler. Ah, my God, j'ai dit, il travaille la nuit. Donc, que la nuit ne te fasse pas peur. Il a choisi la nuit pendant que les disciples dormaient pour semer la semence. Mais il ne savait pas que le Dieu d'Israël, lui, il ne dormait pas. Lui, il voyait, c'est pour cela, c'est lui qui a donné des informations aux disciples que pendant que vous dormez, pourquoi? Parce que vous dormiez, mais moi, je ne dors pas. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ah, je parle de Jésus en tant que Dieu, en tant qu'homme. Le corps physique, oui, pour affirmer que Jésus était 100% homme, oui, à un certain moment, il est allé se coucher quand il naviguait avec les disciples. Ça, c'est Jésus humain. Mais le Jésus, Dieu, ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Do you understand what I'm saying to you? Il est au contrôle. Ah, you don't understand. Donc, je parle que les ténèbres ne te fassent pas peur. D'ailleurs, dans la loi de la semence, la semence grandit dans un endroit obscur. J'ai dit, la semence ne grandit jamais sur une moquette. Vous mettez la lumière et puis vous mettez la semence. Non, la semence, il faut d'abord soulever les sols, enlever la terre. Voilà, c'est comme aussi quand on enterre une personne, on doit faire un trou et puis on enterre la personne et puis après on couvre le trou. Do you understand? Et la semence également, vous soulevez la terre et vous placez la semence sous la terre. C'est-à-dire la semence grandit dans un endroit obscur. Il y a aucune lumière là. C'est les ténèbres. Mais les ténèbres là, dans cette atmosphère là des ténèbres, mais la semence grandit. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Ah, je parle à quelqu'un. Alors que le ténèbre vient couvrir ta vie, alors que le diable vient semer les ivrées pendant qu'il fait nuit dans ta vie, il vient semer les complications, il vient semer les adversités, il vient semer autour de toi ses agents pour t'empêcher d'avancer, de progresser. Mais il ignore que toi, tu as été préprogrammé. Oh my God, parce que la semence est préprogrammée. Il est programmé. Lorsque les conditions sont remplies, la semence est obligée de pousser. Hein? Rien, personne ne peut empêcher la semence lorsque les conditions sont réunies. Si la terre est défrichée, il y a du fumier, vous avez arrosé, la semence a reçu l'ordre. C'est pour cela, Paul va nous éclairer dans le livre de Corinthiens, au 3e chapitre, il dit, moi, j'ai planté la semence. Apollos a semé la semence, mais Dieu fait croître. C'est Dieu qui fait croître. La semence croît par l'ordre de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, la semence a reçu l'ordre de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous prenez un grain de pomme, vous l'amenez au Congo. Vous semez les grains de pomme au Congo, le grain ne va pas pousser. Mais qui a dit au grain que c'est au Congo? Qui lui a dit que la terre où on veut te semer n'est pas propice, n'est pas compatible au grain? Do you understand what I'm saying to you? Comment le grain, qui est un grain, peut savoir que je ne suis pas dans mon environnement? C'est parce qu'il est préprogrammé par celui à qui appartient la semence. La semence appartient à Dieu. Dieu a parlé à la semence. Toi, tu pousseras en Afrique. Toi, tu pousseras au Congo. Toi, tu pousseras en France. Toi, tu pousseras en Asie. Do you understand what I'm saying? C'est ça la semence. God, God Almighty, la bonne semence. Nous sommes préprogrammés à la victoire. Dieu a parlé à la bonne semence. Toi, oh, tu es destiné à la victoire. Toi, tu seras la tête et non la queue. Toi, tu seras en haut et non en bas. Toi, tu seras béni et non maudit. Toi, tu seras plus que vainqueur. Toi, tu seras conquérant. Toi, tu seras un champion. Toi, tu seras un destructeur des œuvres des ténèbres. Toi, tu seras un canal de bénédiction. Toi, tu seras un témoin de l'évangile de Jésus-Christ. Toi, tu seras celui qui va détruire les œuvres des ténèbres. Celui qui va briser la malédiction des générations qui rongent ta famille. Celui qui va changer l'histoire de ta famille. Toi, oh, tu vas à engendrer des évangélistes, tu vas engendrer des serviteurs de Dieu dans ta famille, tu vas engendrer des nés de nouveau, des hommes qui vont impacter. Oh my God. You don't understand. La bonne semence a reçu l'ordre de réussir et de prospérer. Do you understand what I'm saying to you? Il se fait que les conditions soient réunies. La semence doit pousser.
You don't understand. C'est pour cela que le diable, comprenant cela, il essaye d'envoyer, de placer partout des ivrés. Pourquoi? Pour que les ivrés sont là, comme je l'ai défini, livrés zizanie, pour amener la zizanie, empêcher simplement la bonne semence à ne pas se découvrir. Et la bonne semence est là en train d'envier l'ivrée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Des bonnes semences, des serviteurs de Dieu, bourrés de grâce, bourrés de dons et de talents, qui ne se sont pas encore explosés, manifestés, mais parce qu'ils voient les ivrés qui roulent avec de grosses machines, qui construisent des immeubles, qui ont des millions dans leur compte. Et lorsqu'ils viennent pour les séduire, qu'ils viennent les baratiner avec les matériels, avec l'argent, alors parce que la bonne semence, parce que le blé ne connaît pas son identité, ne connaît pas ses ressources, ne connaît pas ses potentiels, il cède au mensonge. C'est pourquoi la Bible dit, même les élus seront séduits. La bonne semence sera séduite si elle ne fait pas attention, si elle considère, you don't understand what I'm saying, que ces choses ne vous fassent pas trembler. Tu dois connaître ton identité, que toi tu n'es pas n'importe qui. Oh my God, tu es préprogrammé pour réussir, tu es préprogrammé pour la prospérité, tu es préprogrammé pour le succès, pour la réussite, tu es préprogrammé pour l'épanouissement, tu es préprogrammé pour avancer. Il faut seulement que les conditions soient réunies. Je dis, ton ministère est préprogrammé à réussir. J'ai dit, tout ministère que Dieu donne, il a préprogrammé à réussir. Mais il faut seulement que les conditions soient réunies. Oh my God, my God, my God, my God. You understand what I'm saying to you? C'est comme infirmier. Infirmier, oui. Il peut avoir les grains, mais il faut que les conditions soient réunies. Il faut commencer par trouver un bon environnement qui correspond à la semence qu'il détient. Do you understand? Et après, il doit travailler sa terre. Il doit défricher la terre. Il y a un prix à payer. Il y a des premiers pas à faire. Do you understand? Les grands travaux, on les fait d'abord lorsqu'on défriche la terre. On n'est pas pressé. Tu ne vas pas tout de suite, tu prends la semence et tu viens, tu jettes. Non, non, non. Tu dois t'assurer d'abord que ta semence va se trouver dans un bon environnement et que la terre est prête à recevoir. Do you understand what I'm saying to you? Il suffit que les conditions soient réunies. Tu sais que je peux semer ici et après avoir semé, ça s'arrête pas là. Mais il y a aussi un moment où il faut faire l'arrosage. Il faut, you don't understand what I'm saying to you. Et après, ça prendra du temps. Ça ne vient pas du jour au lendemain. La semence ne croît pas en un jour. C'est ça l'œuvre, c'est ça le ministère. C'est ça les choses que Dieu a investies en nous. Nous, on est pressés. Tu commences seulement aujourd'hui, tu vas avoir une église de 1000 personnes. Tu commences seulement aujourd'hui, tu veux que la télévision parle de toi. Tu commences seulement aujourd'hui, mais tu veux seulement qu'en 5 mois, il y a un temps pour tout. Il y a un processus, il y a des conditions à réunir. Do you understand what I'm saying? Et c'est ça qui nous embrouille. Mais je suis venu pour dire à quelqu'un, oh my God, my God, my God, my God, la nuit n'est pas nuit pour nous. J'ai dit la nuit n'est pas nuit pour nous parce que la Bible dit là où il y a la lumière, Dieu ne connaît pas les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas ténèbres devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne connaît pas. Le diable a même les ténèbres. Mais Dieu, les ténèbres n'est pas ténèbres. Ton Dieu, tes ténèbres ne sont pas ténèbres devant Dieu. Ton Dieu est celui qui a ordonné à la lumière d'apparaître. Oh my God, my God, my God, my God. C'est-à-dire, même si tu te trouves dans un endroit obscur, l'obscurité envahit ta vie. Mais comprends que la semence grandit dans un endroit obscur. Il n'y a pas la lumière là, mais il va grandir. Oh my God, my God. Les ivrés n'ont pas empêché le blé de croître. J'ai dit, les ivrés n'ont pas empêché le blé de croître. Le diable a cru que je vais le placer là pour que vous les empêchiez, pour que vous les combattez. Répandez-vous vite, croissez vite, étouffez-les. Mais ils n'ont pas réussi à étouffer la bonne semence. La bonne semence a poussé. Les dés ont poussé. My God, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas pousser. Tu vas grandir, tu vas te développer, tu vas connaître le succès. My God, les disciples n'ont pas seulement vu les ivrés, ils ont vu aussi le blé. Tu seras vu. My God, my God. Si le monde voit les faux prophètes, les vrais prophètes aussi seront vus. Si le monde accourt derrière les faux évangélistes, mais Dieu également, il envoie de vrais évangélistes. De bonnes semences arrivent avec une grande onction, avec une grande puissance, avec une grande autorité, avec des signes
signes et de prodiges. Hein, des vrais prophètes également arrivent avec des prophéties exactes, mais des gens qui sont fondés, enracinés dans la parole de Dieu. Des gens qui n'amènent pas la confusion, mais des gens qui amènent les gens à la lumière des Écritures. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Hein, je dis to Jesus be the glory. Les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Je dis les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Quand est-ce que le diable a fait cette œuvre? Le diable a fait cette œuvre la nuit. Quand et comment? Je parlais seulement de quand. Quand? Pendant qu'il faisait nuit. Pendant que vous dormez. Pendant qu'il faisait nuit. Do you understand? Le diable travaille la nuit. Mais moi, je suis venu aussi pour te donner la révélation que ton Dieu est celui qui travaille la nuit. C'est-à-dire, quand la nuit couvre ta vie, n'aie pas peur. Hein, je dis, quand la nuit couvre, c'est-à-dire, quand le diable se lève parce qu'il travaille la nuit, oh my God, parce que ses œuvres sont mauvaises, quand il vient la nuit, toi, n'oublie pas que ton Dieu aussi a choisi de travailler la nuit. Hein, au milieu de la nuit, la Bible dit, Dieu a frappé le premier nez. My God, le monde, oh, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et Dieu dit, hein, il a envoyé le peu de l'esprit. God, God, Almighty, la terre était couverte de ténèbres de la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Jésus a crié, Jésus a parlé. My God, il a accompli l'œuvre de la récréation. Je parle à quelqu'un, hein, il est mal barré, il est mal parti. Hein, il a choisi de te troubler la nuit, mais il a ignoré que tu as aussi un Dieu qui travaille la nuit. Je parle ton Dieu. Dieu a préparé la délivrance d'Israël, c'était la nuit. Ah, la sortie d'Israël a commencé la nuit. La victoire d'Israël a commencé la nuit. La délivrance d'Israël a commencé la nuit. Je parle à quelqu'un, lève tes mains là où tu es. Peu importe les ténèbres qui couvrent ta vie, mais Dieu m'envoie comme un prophète. Je te parle in the name of Jesus. Je commande aux ténèbres de se dissiper right now in the name of Jesus. Je commande aux puissances des ténèbres. Hein, je dis, je commande aux puissances des ténèbres de lâcher ta vie. Hein, de lâcher ton foyer, de lâcher ta famille, de lâcher ton ministère in the name of Jesus, parce que tu es destiné à la victoire. Je dis, tu es destiné à la victoire. Je dis, tu es destiné à la victoire. Dieu dit que la lumière soit. Je déclare la parole, qu'il y ait lumière dans ta vie. Je dis que la lumière remplisse ta vie, que la lumière apparaisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que la lumière apparaisse. Là où règne les ténèbres, que la lumière apparaisse dans tes finances, que la lumière apparaisse dans ta maison, dans ton foyer, que la lumière apparaisse dans ton ministère, que la lumière apparaisse. Plus rien ne t'arrêtera. Je dis plus rien ne t'arrêtera. My God, parce que tu as été préprogrammé à monter, préprogrammé à germer, préprogrammé à envoyer les racines en profondeur, préprogrammé à germer. Hein, préprogrammé, oh, à faire sortir des branches, à faire sortir des feuilles et à finalement les produits, les fruits. My God, je parle à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La stérilité s'éteint au nom de Jésus. La stérilité s'éteint au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je déclare la productivité au nom de Jésus. Au milieu de ces ténèbres, tu vas pousser. Au milieu de ces ténèbres, le Saint-Esprit opère. Au milieu de ces ténèbres, la semence se développe. Au milieu de ces ténèbres, le processus s'accomplit. In the name of Jesus. If you believe it, lève ta main et dis gloire à Dieu. Dis après moi, je reçois, je reçois, je reçois. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as suivi ce message, mon frère, ma soeur, et tu veux que c'est Dieu qui ordonne à la lumière d'apparaître, d'ordonner à la lumière, que la lumière soit ton partage. Juste, j'aimerais t'inviter à faire cette prière de pécheur avec moi pour avoir le privilège de faire partie de cette famille. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté l'évangile. Je crois que c'est toi qui sèmes la bonne semence. Seigneur, j'aimerais faire partie de ces champs de bonne semence. C'est pour cela que je viens à tes pieds. Je crois qu'à la croix du calvaire, tu étais mort pour moi. Après 3 jours, tu étais ressuscité. Tu as vaincu l'enfer, tu as vaincu la mort. Tu es Seigneur au siècle des siècles. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur, Seigneur. Je crois que ton sang qui a coulé à Golgotha m'a lavé et a fait de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle créature et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Conduis ma vie et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. In Jesus' name. Si tu as fait cette prière, nos coordonnées sont sur l'écran. Appelle-nous. Ce sera une grande joie. Appelle EPV ou appelle directement le docteur Mobejo.
Même si tu es dans les besoins, nous nous tiendrons à tes côtés pour t'aider. Merci pour toutes choses, mais surtout, n'oubliez jamais que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, oh my God, un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Oh Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Oh qu'est-ce que God. Je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you.